choisi. Le départ m'a vomi. À la table du roi, je suis assis. Ta mère m'appelle si, oh merci. Salut, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sarah B, la fraise hein, de Strawberry. Et pour ceux qui me connaissent, comme d'habitude, votre go. J'ai pas mis de labello, ok. Mais en fait, j'ai un petit souci. Je fais une aparté, je vous raconte ma vie. Mes ongles, hier j'étais au taf. Et en fait, j'avais plein de petites peaux mortes parce que j'avais pas encore fait mon gommage, tu vois. Et c'est pas là. Attendez, regardez. Oh, ça commence à gonfler. Là, d'un coup, je vois. Genre, en fait, ça fait comme des petits boutons, plein, 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 tu vois. Je me dis, attends, c'est pas ce que tu crois. Et je vois que ça gonfle et tout. Je sais pas si c'est parce que, du coup, mes ongles, forcément, ils étaient pas propres sur le coup. Putain, j'ai trop la rage. Mais, en fait, ça explique pas pourquoi je les ai pas hydratés. Donc, je vais les hydrater. Du coup, là, je suis coiffée. Je vais faire un tissage. Je devais faire des highlights. Mais elle m'a pas dit de préparer mes cheveux, en fait. Et moi, je savais pas que les mèches blondes, fallait les déjaunir. Je me demandais en plus comment ça se fait que que ça paraît si blanc. Et puis en fait, ben voilà, fallait les déjeuner, mais je savais pas. Bref, mis à part ça, je fais ça. Ensuite, je me suis fait poser des strass. Là, j'ai mis un normal et un chrome. Et là, j'ai mis un cœur rose. Stan, il aime pas, mais je m'en fous parce que sa mère, elle kiffe en fait. Period. Il n'y a pas MF. Là, j'attends le bus pour rentrer chez moi. Par contre, je kiffe commencer en bas comme ça parce que quand je parle, ça slay de fou en fait. Hein, minimum. Minimum. Là, j'attends le bus pour rentrer chez moi. Et pour manger, j'ai trop faim. Donc, j'ai acheté un paquet de gâteaux. Mais vas-y, wesh. Et là, du coup, mes ongles, j'ai pas pu les faire. Et en fait, je pourrais pas faire mes ongles à Londres. Parce que toutes les meufs. Genre, tu peux que y aller seule. Et je suis avec Stan. Du coup, vas-y, flemme. Et en plus de ça, ils font pas de dépose. Du coup, bah, je peux pas. Et le salon que j'avais trouvé, en fait, le problème, c'est qu'il est à Leicester. Et il est genre à 2 heures de Londres et à 3 heures de l'aéroport, dont on va descendre. Moi, j'étais grave déter, mais vas-y, vous connaissez Stan. Et du coup, même après, je me suis dit, vas-y, 3 heures et tout, c'est long, 3 heures. Du coup, vas-y. Il y a Stan et sa mère qui arrivent. Il est 4h50, les gars. Il m'a appelé pour me réveiller. Il est fou, j'ai aimé un réveil. 5 minutes plus tard. Bref, là j'ai trop envie de faire caca et ils sont là dans 2 minutes, j'ai même pas le temps. Bref, je continue de filmer tout à l'heure. Déjà que j'ai l'idée de filmer à 4h du mat, je suis choquée. Outfit, gros pull, leggings, mais Adidas. En fait elles sont petites, j'aurais dû mettre des habits dedans pour les gonfler genre. Enfin, c'est vraiment une technique du bled, mais elles fonctionnent archi bien. Parce que là elles sont vachement petites, ouais. Enfin elles sont serrées en fait, elles sont nouvelles. Je les avais jamais mises avant. Et d'un coup comme ça je les mets alors que je les aurais dû les mettre pour que les habituer à mes pieds, tu vois. Enfin, voilà. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui fait froid, c'est pas vrai. Dehors il est gelé. Ouais, ils sont sérieux là, ils ont même pas coupé le moteur de la voiture. Attendez. Arrivé, regardez comment il avance vite. Est-ce que je suis en train de voyager avec mon père ou avec mon bestie là? Est-ce que tu peux m'attendre s'il te plaît? Ah ouais? Ah oui. Je te... Waouh, tout sur ton meilleur profil. Trop beau. Tout ça. Oui, tout ça. Attendez les gars. On arrive à l'aéroport, on va à la porte d'embarquement, je sais pas quoi, mon cul là. Il me sort quoi? Il a pris un bière pour qu'on arrive à Gatwick, wesh. Alors que moi j'avais tout prévu qu'on arrive à Heathrow en fait. Tu vois, il y avait un train pour arriver à l'hôtel, bref. Et lui il me dit non mais on arrive à Gatwick. Et moi il est trucs là. En plus il rigole, c'est pas drôle en fait. C'est vraiment pas drôle. Moi il est prêché, on dirait un enfant. Tout à l'heure on dirait un papa, maintenant on dirait un enfant comme il joue. Mais toi t'arrêtes, mais tu joues quoi en fait? Mais j'arrête jamais. Mais c'est quoi ça? C'est un labyrinthe ou quoi le truc, frère? Je te dis c'est buzz. I have too much thing to say. Vous savez, il a retiré de l'argent, il l'a gardé en euros. Il a pas transformé l'argent, il a pas changé l'argent. Mais c'est une blague, il a pris 500 euros, genre. Déjà, est-ce que tu es obligé de dire le montant? Oui. C'est pour
quoi ça? C'est pour la mala, parce que c'est lui qui a les sous. Il a tout pris, il a tout payé. Ah, moi je vais pas sortir un sou là-bas. Mais c'est toi qui as l'argent. Ah, tu vas sortir ta carte N26. J'ai pas de carte chérie. N49, N72. J'ai pas d'argent. Dis-toi que I don't have money. I'm sorry. Oh mon dieu, j'espère que tu vas pas me dormir dessus comme ça pendant tout le vol, hein. Sinon je vais péter un câble. Ah bah si. Mais je te jure que tu dors sur moi. Je te défonce. Regardez, on est trop beau, t'envoies MF? Non, j'envoie pas là-bas. Ah. Oui, bref, je vais faire comme si j'ai rien entendu, c'est pas grave. Un haussement de sourcil comme ça, c'est pour faire quoi? T'as fini? Bref, au revoir. On parle plus de toi. À tout à l'heure. Moi je prends le téléphone, maintenant je vais faire des vlogs. Votre copine là, que votre copine que j'ai dû appeler ce matin parce qu'elle n'était pas réveillée, c'est pour nous tuer ça. Est-ce que je peux respirer? Putain, il est beau. C'est vrai que je trouve que j'ai un petit teint de poupée. We already arrived in London Gatwick, and that's on period, it's guys. It's not London Heathrow, it's Gatwick. Yeah, of course, because you make the mistakes. No, it's not a mistake, because it's just London. French hover, only English, guys. Okay. Some fan of you, maybe doesn't understand. It doesn't matter. And all my stuff. You should. No, they had to understand. You should study English at school. Yes, all of us have to teach English. It's not easy for everyone. And all my stuff, guys. Don't you understand? Hey, ma galoche. No, c'est fou. J'ai fait un petit piou là. La mariée en bleu. Qu'est-ce qu'il a? On dirait un handicapé. Mais toi, tu m'aides pas là. Attends, donne. Tout à l'heure, on a pris le train de l'aéroport à Victoria. Victoria. Le mec, il a craché à la gare de l'Espagne. Victoria. Victoria Station. Et là, je sais pas ce qu'on va faire. Moi, je voulais manger, mais en fait, j'hésite à manger maintenant parce qu'il est vachement tôt. Mais là, on va trouver pour les transports. Genre, soit on prend la carte Navigo d'ici. Déjà, j'ai trop le seum, j'ai oublié la mienne à la maison. Je voulais trop faire la meuf en mode pour prouver que. Et ça me saoule de la repayer parce que je sais que ici, c'est cher de fou. Et l'avoir, tu la remplis juste, tu vois, comme la Navigo. Moi, quand faut la repayer, après, tu la repayes 30€, 30 balles, frère. C'est cher. Et ici, déjà, là, on a payé le train. Stan, il m'a fait payer. J'ai payé combien? J'ai payé en euros, ça fait 48€. Parce que j'ai payé avec ma Revolut et ça a directement truc. Mais j'ai payé 100. Ouais, c'est une dinguerie. C'est super cher. Juste pour faire de l'aéroport à centre de Londres. Moi, j'ai vu sur TikTok que quand tu viens ici, c'est mieux de payer par carte bancaire. Mais lui, là, non, mais. Oh, il y a un McDo. Il y a un McDo au fou là, au bout là-bas. Mais lui, il veut pas. De toute façon, je crois que je vais pas trop écouter Stan pendant ce voyage. Parce que déjà, je l'ai écouté pour prendre un avion. Et je regrette un peu. Pourquoi? Les sensations que j'ai éprouvées. Ça met du piment dans ta vie. Non, mais je rêve. Je vous mettrai les stories qu'il prenait de moi parce que lui, il était mort de rire pendant que moi, j'étais en train de faire des crises de panique. Clairement, je l'ai tenu la main pendant tout le décollage. Alors qu'on s'est jamais tenu la main. Ouh, c'est parce que c'est la Valentine's Day. En fait, hein. Hey, je mange comme une cacala, j'aime trop. En fait, hein. Et ici, il parle trop. Ouais, t'es dans le train, elle veut pas il parle. Sa gueule. T'es dans le train, il parle. T'es dans le bus, il parle. T'es à la gare, il parle, ma gueule. En plus, on comprendrait ce qu'ils disent. Ok, pourquoi pas parler. Mais on comprend rien ce que vous dites, les gars. Ouais, bébé. Oh, trop beau. Ah non, mais attendez qu'on vous raconte, les gars. Ah, raconte. Comme Stan, il a pas changé l'argent. Putain, mes lèvres elles sont sèches. Il a pas changé l'argent à Paris. Il me dit, ouais, vas-y, t'inquiète, ça va bien se passer. Et là, on arrive dans un bureau de taux de change, mon pote. On arrive. Il sort 300 balles, ça c'est Lias. Il a les pognons, il t'en a qui veut.
il a l'argent, il donne à qui il veut. Il a les pognons. Vas-y lui, bref. Eh, la meuf elle nous dit ça fait 209 livres. Non mais c'est une blague. On te donne 300 euros, tu nous donnes 209 livres, t'es malade ou quoi dans ta tête? On a dit ouais non, on regarde sur internet. Sur internet ils mettent qu'en fait c'est 265 livres. Et après elle appelle son chef. Son chef il dit oui mais nous si on vous donne ça, on n'a pas de bénéf. Putain regardez ma blessure. Mais en fait nous on s'en bat les couilles de ton bénéf. On a dit non c'est bon on paye pas. La tête, on a dit non c'est bon on a dit non c'est bon ça ira. On paye pas. Wesh c'est dingue. C'est archi cher. Là on a pris le bus, on va à Piccadilly. Finalement on va manger à Piccadilly parce que dans la gare il n'y avait pas de. À Victoria, il n'y avait pas de trucs pour manger sur place. Dans le McDo. Eh je suis dissipée de ouf là. Bref, en tout cas je suis grave KO, j'ai pas dormi. Moi aujourd'hui je prévois de sortir à fond. Pas pour Stan, mais Stan il a pas prévu les mêmes plans. Ah, vas-y, lui. Moi je lui ai dit club, club, à moi de club, no sleep, club, club, club. Lui là il veut dormir. Wesh, on dormira quand on sera mort. Là il n'y a pas le temps de dormir, ma gueule. Là c'est charbon. Hier j'ai bossé. Putain, mais ça me fait trop des traces là. Hier j'ai bossé. Non, attends, lundi, non, dimanche. Wesh. Parce qu'aujourd'hui on est mardi. 14 février, là. Attendez, je vous montre un peu la vie. Mais comment on sait quel arrêt on est? Je crois là. Wilton Street. Mais comment on appuie? Mais là il y a des boutons. Mais Stan, wesh, t'habites à la campagne ou quoi ma gueule? Ah ouais, t'es mal poteau. Non, je rigole. Et qu'est-ce que j'allais dire? Wilton Street. Bah voilà, ça me dit en plus. J'ai taffé dimanche de 8h à 18h. Hier j'ai bossé de 8h à 18h. Aujourd'hui Stan il est venu avec sa maman à 5h chez moi. Quand on va revenir, je vais nous taper des journées de 10h, 12h, 21h. Non, du 12h, 22h. Les gars, ça c'est pas la fast life. On a dit qu'on peut, on veut. Prêt à Paris, c'est moi, avec trois potes. Il y a une meuf à l'aéroport, elle a dit ouais, vous êtes pas une star des réseaux. Vous êtes pas des réseaux, vous. Vous êtes pas des réseaux, vous. Ma mère. Mais là, on ne voit pas sur la vidéo, ça sert à quoi? Rapproche-toi, ma belle. Il est trop moins de moi. Quoi? C'est trop ça. Moi je vomis pas. Menteur. Voilà, je me dis là, ouais, je vais faire un bisou, je vais faire un bisou. Viens, il me fait un embrasse là. Ah, t'as pas refusé en attendant toi. Répète, dis tout. Hein. Ne dis pas si t'arranges. Mais je suis encore comme ça là. Pour faire quoi? Tu vends le mal hein. Bah ouais. Il faut qu'on fasse une pause, je suis déjà en surdose. Ouais, franchement, c'est. Tu sais quoi? On se retrouve ce soir à l'hôtel. Et on se laisse. Et on fait chacun nos vies. Ouais. Ok, c'est carré. Je vais me choper un mec là. Comme ça, je mets mes marures. It's time for me to get married. Like. Where is the ring? She's going to be. Don't worry. Don't worry. No, but where is mine? I don't care of yours. Like, you don't have it. Ah, you bon. Don't have it from me. Tout ça. On est dans le pays de Top Boy. À tout moment on croise Jamie. À tout moment on croise mon mari. Ah, si on croise Jamie là, Michael Woods. En tout cas ce jour là. Là on est à McDo. On va manger le petit déjeuner. Il est quelle heure pour manger le petit déjeuner? Stan il est énervé parce qu'il a demandé Oh merde, on voit tout le monde. Parce qu'il avait demandé un jus d'orange. Même moi j'ai demandé un jus d'orange. Regarde, je mets pas le truc. Par contre elles sont archi bonnes. Ça sent archi bon. Bon bref, allez au revoir. À Pécom ou quoi? Eh c'est vide ma gueule genre. Mais qui a choisi l'hôtel? Ça c'est Stan il a choisi. Ça c'est vraiment des goûts d'hôtel de Stan ça. Pardon. Des bagailles. Alors, attends, reprise, des bagailles, des bagailles grave chelou. Could you please listen to me, thank you. Thank you. En fait je te rappelle que j'ai pris les billets d'avion, tu as pris l'hôtel. Non mais les gars. Donc là ton hôtel si loin là, on dirait on est parti à Bamako. Voilà. Tu es ou quoi? Voilà wesh. Eh je suis choquée. Moi je croyais que l'hôtel était bien. Ils ont dit ouais à côté du centre. En vrai on va pas se mentir. Là on est à Londres. Mais il y a grave des métros à prendre pour arriver à Piccadilly. Faut prendre la Elizabeth Line. En fait. Oh ça fait loin. Maintenant ici faut voir, wesh on a Pékin ou quoi mon frère? T'es mal des bâtiments grave moche tout ça. Eh je reconnais ici.
Je reconnais ici dans la série, ils avaient tourné un moment ici, j'en suis sûre, dans ce virage-là. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, je crois que dans ce virage, ils s'étaient fait arrêter. Je sais plus, je crois que c'était Jamie. Non, pas Jamie. Si, Jamie. Dans une location comme ça, une connerie comme ça, je suis sûre que c'est ici, wesh. Ça se voit, wesh. Mais vas-y, wesh, c'est quoi ça? Alors, on est arrivé dans la chambre. Vloguer toute sa vie comme ça, c'est pas facile, hein. Jure, ça rentre pas? Non. Mais c'est un adaptateur anglais, comment ça ne peut ne pas rentrer? Là, déjà, on a la salle de bain. Plutôt pas mal. Elle est pas très petite, pas très spacieuse non plus. Mais ça va. Grande douche. Avec des beaux savons liquides, là, ils nous ont grave respecté. Regardez les gros savons. Attendez. Putain, c'est beau, hein. Franchement, regardez les gros savons. Alors qu'en général, quand je vais dans les hôtels, c'est des rats. Je veux voir, ça ressemble à quoi? Oh, pardon, so sorry. Il veut me faire mal alors que... Ah, là, ça rentre. Ah, mais là, ça rentre. Oh, that's right. On va charger dans la salle de bain. No. Quoi? Moi aussi, il faut que je charge mon tel en plus. Je charge. Il est trempouillé. Bref, et ensuite... Une salle de bain pour faire des bébés, hein. Arrête. Et bain. Après la douche, là, ça va sans quille. Ça quoi? Sans quille. Ah, bon. Attendez, là il y a les deux lits. Non mais tu peux faire ta vie. Fais ta vie, vas-y. Même si je suis une youtubeuse là. Oh. Bref, franchement pas mal. Mais il n'y a pas de frigo. Par contre c'est bien. Elle fait plus de 11 mètres carrés cette chambre je crois. J'aime pas les chambres petites. Et je sais que par contre la vue elle est nulle. Hein. Ça va, je te fais plaza. Comment on fait pour ouvrir ces foutus rideaux là? Putain, il n'y a pas de volet pour dormir. Oh non, phobie. La vue. Oh mon dieu, la vue elle est dégueulasse. La vue est wesh. On est qu'au deuxième étage, mais pourtant ça. Make myself. Pourquoi c'est pas recyclé? Voilà, faut que je vérifie mon make-up à la lumière du jour. Ah, ça va avec cette lumière, mais je vais quand même améliorer certains points parce que là, avec la lumière de la salle de bain, ça va, mais c'est pas ouf, tu vois. Bref, on veut charger nos téléphones. On a ramené des adaptateurs. J'ai ramené. Je savais que t'allais ouvrir ta bouche, mais ça marche pas. Par contre, il est 14h, il fait beau. Je suis choquée, j'aurais pas pensé qu'il ferait beau quand on viendrait. Donc c'est cool en fait, c'est-à-dire je ferme mes murs. Putain. Par contre là, j'ai regardé sur internet, ils ont dit que le truc que j'ai c'est de l'herpès. L'herpès labial. Non. Mais j'ai embrassé personne en fait. L'herpès c'est bizarre, c'est une IST. Oui, sauf que... That cannot be possible. That cannot be possible. Attends. Non, c'est pas possible. Est-ce que pour que j'ai ça, faut qu'une personne m'embrasse forcément sur la bouche? Bah, ça me paraît plus logique. Bah non, alors. Bah non, je comprends pas. Faut que j'aille voir le médecin. Ils ont dit que ça part en 10 jours, mais là, ça fait déjà pas mal de jours que je l'ai. Hein. Non, mais ça fait pas 10 jours. Hein. Du coup, là, désolé, j'ai beaucoup de bonbons dans la bouche. Stan, il est à la réception pour qu'il vienne pour réparer les prises. En fait, putain, il a pris un adaptateur, mais l'adaptateur qu'il a pris, c'est pour les États-Unis et l'Australie. Et moi, c'est moi qui étais bête. À la maison, je sais qu'il y a un adaptateur, mais je savais plus où il était. Je me suis dit, vas-y, je vais pas prendre vu que Stan, il le prend, mais voilà. J'ai fait confiance à un homme. Les hommes, vraiment, ils sont bien quand je jouais avec leurs zizi pompons, mais vraiment, pour faire que je sois intéressante. Regarde, une prise, un adaptateur. Elle m'a dit non, tant que tu... Regarde. Il voit la prise. Non, ça, c'est une prise internationale. Prise internationale. Vous avez entendu ça où? Stan, quand tu verras la partie de cette vidéo, sache qu'il est vraiment aux yeux zéro. La PC aux zéro pointé. À zéro vraiment. Là j'attends, moi je dois aller chez mon petit sage. Il me dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu lisses tes cheveux? Évidemment. I'm going to for my husband here. Tu crois que moi je vais sortir des cheveux gringalets, ballons comme ça? Les gars, dites-vous, mais on y va non? Putain, il y a lui qui a faire ses photos avec. Dites-vous, dans la chambre, il y a quoi? Oh, c'est bon, on rigole. T'as la carte? Quelle carte? Bah, oui, mais. Moi je l'ai déjà depuis longtemps. C'est ça. Dites-vous, il n'y a pas de l'ascenseur dans notre chambre. Non, il n'y a pas de fenêtre dans la chambre. Ton sac, là. Ouais, s'il te plaît, regardez comme il est beau avec mon sac. Trop beau. Il n'y a pas de fenêtre dans la chambre.
Donc ça veut dire que ça pue, ça pue. Good morning, afternoon. Je sais même plus qu'on dit quoi. Mais il n'y a pas de fenêtre dans la chambre. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est-à-dire là, Stan, il pète pendant la nuit. J'avale. Genre, je sens ses odeurs et tout. Moi, je pète. C'est abusé. Moi, quand je vais yesh, bon courage. Non, mais moi, je sens pas. Je suis malade. Mais ta maladie, elle va pas durer tous ces jours, hein, tu sais. Je dis ça comme si on allait rester 2 semaines. T'imagines 2 semaines? Non. Toi et moi? Non. Là, déjà, j'en peux plus. On n'en peut plus. Là, faut qu'on se sépare. On va se séparer, je vais dormir sur un nouveau lit. Putain, je sens vieux, mec. Que me lâcher pour ces vieux mecs là. Wow, the light, guys. Vas-y, viens, on fait une photo pour la couverture du vlog. Voilà. J'en ai fait plein. Moi, j'ai pas changé. Du coup. Mais moi, à chaque fois, je suis tout blanc là. Attends, si je rapproche comme ça, t'es moins blanc. Nous nous baladons dans les rues de London, baby. Attends, là, je suis tout aussi blanc. Ah merde. Putain. Dans les rues de London. Et on se balade main dans la main en amoureux, en fait. Parce que c'est la Saint-Valentin. It's Valentine's Day. Valentine's. Du coup, là, bah, on se balade. On comme est... des touristes. Ouais, mais des gros touristes. On marche, mais vraiment, j'aime trop. Pas besoin d'activité, juste avoir fouillé Paris, pas fui mais fouillé, ça fait trop du bien, genre I feel good, do you feel me? Mais si je suis blanc comme ça sur toutes les vidéos, qu'est-ce que c'est ça? Mais t'es beau, même si t'es blanc, mais un cul. Bon, moi je suis un Kinder Bueno, je l'ai toujours dit. Blanc à l'extérieur mais noir à l'intérieur. Allez. C'est Valérie Pécresse le truc. Bref. It's a joke, joking. Ne compare pas cette sorcière. C'est une blague. C'est une blague. Une boutade. Ta tête elle est hilarante. On est en train de commander à manger. On a hyper faim mais moi j'ai pas de coups donc ça se trouve c'est dégueulasse, on sait pas. Ah ouais, en plus franchement ça a pas l'air ouf. Non, si ça a l'air très très bon. En vrai, je sais pas parce que les premières saucisses là, elles ont pas l'air ouf. Hein. Celle qui met. C'est 7, ça fait 14. Ouais, 14. Ah, du coup, dégustation plus tard. Attends. Ouais, après. Trop belle. Nandos. Oh, des petits trucs là. 25 minutes d'attente au Nandos avant de pouvoir manger. J'aurais pas pensé, moi je pensais que c'était. En plus, que j'ai même plus de goût et que je sens rien du tout ce que je mange. Il est même pas faim, il a même pas faim. C'est moi la grosse qui a faim là. Sinon, lui, on lui dit qu'il faut passer au dessin là. Il est trop impoli. Purée. Mais qu'est-ce que ça veut dire on est plus... Enfin, je suis plutôt pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on est beau. Ah oui, je me suis acheté des trucs. En vrai, j'ai acheté parce que j'avais juste envie de dépenser mon argent. Ah bon, ouais. Bah, dépense ton argent, vrai, hein, je vais te faire dépenser, t'inquiète pas. Hein. Je vais tout trouver beau, bizarrement. J'ai acheté ça. Fenty, ils ont fait la même chose, mais j'ai pris celui de Révolution. Il était à 15 livres, à peu près, on va dire 20 euros. Archi bien, j'ai pris le plus foncé. C'est pour le visage et la peau, pour bien briller. Ça veut dire que cet été-là, ça va draguer. Ça va draguer à fond. J'ai pris quoi d'autre? Vas-y, il a la rage, il a le seum. J'ai pris un fixateur illuminating classique et j'ai pris une base matifiante parce qu'avec ma peau grasse là d'ailleurs elle a beaucoup changé parce que du coup je mets grave à fond, je mets du fixateur presque 3 fois pendant que je me maquille, mais j'ai pris ça parce que t'as fini mais ouais j'ai fini mais je sais c'est dingue, il a grave la rage. En fait j'ai pris ça parce qu'en fait, vas-y, à Paris, quand je commande Révolution, ça prend 100 ans à arriver. Et la livraison, c'est minimum 5 balles. 5 euros. Tout ça. Alors que là... Tout ça. If you
you got a problem with me. Tell me, hein. I will tell you. Et du coup, voilà. C'était Stan qui devait payer mes comptes. Ça va pas, non. Comme d'habitude. Bref, du coup, là, on attend pour manger. Tout à l'heure, on a mangé les trucs, là. Ah ouais, d'ailleurs, tu mets combien sur 10 sur les sandwichs que t'as acheté? Bah, je sais pas, j'avais pas de goût. Bref, moi, ouais, pareil, 7. Parce que, pareil, je mettrais 7 parce que c'était pas mal. Les oignons et tout, j'ai bien aimé. Mais la saucisse, je sais toujours pas elle était à quoi, donc bizarre. Donc voilà. À toute. C'est la complice à ma mère. Maintenant imagine le niveau des vrais commères. Sérieusement j'aime trop ma baby, elle est vraiment trop belle. Elle a ses manières, j'aime quand elle me dit t'es rentre, arrête. Prends-moi dans tes bras et que le temps s'arrête. Il est au bout de sa vie, ça me chume. Les gars, I don't even know which time we are. Ah, 20... ah mais en fait c'est 21h43 dans notre tête. Mais il faut voir la fatigue. Clairement, je suis une dame parce que j'ai pas de force. Après, elle vient dire. Moi, je suis pas fatiguée. Moi, je suis pas fatiguée. Là, je peux aller en boîte. Je vais en boîte, puis je danse quand je veux. Mais je suis trop KO. Ah, c'est vrai, je suis fatiguée. En fait, je suis en forme, mais en même temps. T'as capté, j'ai acheté un petit souvenir. Il a coûté combien? 7 pounds. 10 balles. 10 balles. Parti comme ça, là. Mais qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié ce que j'allais dire. Ta beauté me déconcentre. Bref, vas-y, on rentre à la maison. Fin du vlog. Demain, il est où? Puis je mets une pastèque dans sa gueule là. Demain, on continue le vlog. Allez, bonne nuit, Bayaya. Bonne nuit, Bayaya. Bonne nuit, Bayaya. Position ça. C'est pas beau. Il a grave la rage de moi. Il a grave la rage de moi. Il a 21 ans, il est aigri, on dirait un papa de 50 ans, mon frère. Hey, t'es aigri. T'es... Oh. Ce côté t'a rendu. Du coup, comme c'est le 14, on se balade de toute façon amouré, hein. Faut toujours être amouré dans la vie, faut trouver son amouré. Hein? Moi, j'ai trouvé mon blanc. Ah. Ça, c'est pour me tuer, ça, ou quoi? Moi, j'ai trouvé ma Renoir. Hein. Où sont les locks? Mais rigole, ma soeur. Ouais, c'est drôle, mais c'est un peu drôle, en fait. Mais j'ai un man. On a fait pipi dans ta tête. On a fait pipi dans ta tête ou quoi? Bon, c'est une dinguerie de dire ça à quelqu'un, quand même. Hein. C'est un truc de ouf. Mon papy, est-ce que tu marches bien? Mon papy, mon papy. Give me peso, moi, extendo, I carry bitches like I'm Greco. Peter Rowe, nigga, call Pedro. Smoking nigga, shoulda knew it from the get-go.